J'espère davantage. Cette année, je veux vivre une grande histoire romantique avec des roses, de la poésie. Oui, et puis aussi un petit ours en peluche rose et blanc aux yeux en forme de cœur. Il verra une de ses chances. Ne m'en parle pas, Alex. Elle l'a trouvé, l'amour de sa vie. C'est Chris. Fâchée ! Je laisse tomber les rendez-vous. Je tire un trait sur les garçons. Qu'on ne me parle plus jamais d'amour. Et Chris ? Je le quitte. Il m'a fait un affront impardonnable. Laisse-moi deviner. Hier, il a osé ne t'appeler que 8 fois pour te dire qu'il t'aimait au lieu de 10. Pire que ça, pour fêter notre anniversaire des 3 jours, il a pris des billets pour une course de camion, c'est nul. Oh, je suis trop déçue par les garçons. Je resterai célibataire. Ma décision est inébranlable. Tu vas faire une grève sentimentale? Parfaitement, plus de petits amis. Tu tiendras jusqu'au déjeuner. Clover, t'es énervée, alors tu dramatises. Il y a un tas de garçons super sur la planète. Et ils font partie du lot. Tous nos hommages, charmante demoiselle. D'après mes calculs, c'est le centre commercial de Beverly Hills qui a le taux le plus élevé de prétendants au mètre carré. Laisse tomber les équations, je ne suis pas en quête d'un remplaçant pour Chris. Allons voir quelque chose, le distributeur est le lieu le plus stratégique pour être lu. Où est notre distributeur de cappuccino? Vous aussi, vous pouvez rencontrer l'amour de votre vie. Vous trouverez l'âme sœur grâce à la flèche de Cupidon. Une agence matrimoniale informatique, c'est pas cyber bizarre ça? Trouver l'amour par ordinateur, tu peux? Oh, j'ai bien envie d'essayer, tu m'accompagnes Sam? On sait que c'est faux ces trucs, j'y crois pas une minute, mais ça peut être amusant. Bon bah moi je vous attends là, hein, forte et résolue. Je resterai célibataire, plus de garçons, bon débarras. Bonjour mademoiselle, bienvenue à la flèche de Cupidon. Veuillez répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qui est à l'amour, ce que la cerise est au gâteau? Le bisou tendre, l'honnêteté intellectuelle et le courage politique. Salut, moi c'est Stan. Stan? Stan qui a instantanément craqué en te voyant. Je suis en grève. L'amour, c'est le grand bleu. On plonge ensemble dans un océan de douceur. Du calme, je suis en grève. Du calme, je suis en grève. Du calme. Lequel des deux vous attire le plus? Le garçon A ou le garçon B? Le garçon A, le garçon B, sans hésitation. Rendez-vous donc ce soir même à 8h, je devrais. Ah,
plus, il s'appelle Marco. Je pensais que tu croyais pas aux rencontres par ordinateur. C'est vrai que je doute, mais je ne vois pas de mal à rencontrer Marco. Cours consulter la flèche de Cupidon. L'ordi peut encore te trouver un cavalier pour le bal de la Saint-Valentin. Alex, ça ne m'intéresse plus. Depuis que j'ai décidé de renoncer au garçon, j'ai plein de temps libre. Hier soir, j'ai pu mettre de l'ordre dans mon placard de sac à main. Tu as un placard rien que pour des sacs à main? Et le temps libre pour tous les ranger par gamme de couleurs. Bonsoir, je m'appelle Chet. Tu es probablement Alex. Ah, comment t'as su que c'était moi? Oh, je n'en savais rien, mais tu es tellement belle que j'espérais ne pas me tromper. Tiens, c'est pour toi. Je tiens à ce que tu saches qu'il n'est pas dans mes habitudes de... Enfin, généralement, je n'accepte jamais de... Ah, je me sens ridicule. Est-ce là le visage de celle qui a lancé un millier de navires et brûlé les tours éternelles d'Ilion? Oh, tu me cites un extrait du Docteur Faust. Ma douce Sam, donne-moi l'immortalité d'un coup de pieuvre. Oh, c'est mon plat préféré, les calamars à la crème. Ah oui. Il m'a dit des choses si romantiques, c'était merveilleux. J'ai tellement hâte de le revoir. Et moi donc. Hey, regarde où tu vas. Oh, Clover, est-ce que je t'ai déjà parlé de Roy? Il est d'une gentillesse et d'une beauté. Oui, et mon Peter aussi. Vos petits amis, vous les avez trouvés par la flèche de Cupidon? D'Apollon, plutôt. Ils sont si craquants. Vous avez remarqué que la moitié des filles du lycée est sous le charme des types que leur a trouvé l'ordinateur? Oh, je suis désolée, Clover. Pardon, je revivais ce moment magique que j'ai passé avec mon chat. Moi aussi, je rêvais de mon adorable Marco. Ne me dites pas que vous êtes amoureuse, vous aussi. Pourquoi? Ils vous ont demandé en mariage? Pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Marco m'a offert un authentique zirconium monté en solitaire. Et Chet m'a offert ce véritable diamant synthétique. Quoi? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé à toutes les deux? On ne tombe pas amoureuse comme ça dès le premier regard. Tout de suite après le bal, on abandonne nos études. Ah oui, ça nous fera plus de temps à consacrer à l'amour de notre vie. J'hallucine. Je vais devoir aller au bal tout seul. Il y en a pas une qui veuille m'accompagner. Mais les garçons les plus mignons se retrouvent seuls. Il y a vraiment un truc louche dans cette histoire. J'appelle Jerry. Clover, je ne vois pas où est le problème. Les satellites de surveillance du Whoop n'ont révélé aucune trace de substance hypnotique dans la zone de Los Angeles. Pourtant, c'est pas normal du tout ce qui se passe ici. Vu que le phénomène ne touche que votre lycée, je vous conseille vivement de prendre un petit ami, vous aussi. Ah non, pas question, hein, je fais grève. Puisque Jerry refuse de m'aider, je vais me débrouiller toute seule. Commençons par le début. L'équipement, sortons nos vieux gadgets, lentilles de contact bleu marine à rayon M, barrettes d'écoute ultra sensible double banane et chewing-gum autocollant de pistache. Ce tourbillon elliptique de pigments me rappelle la couleur de tes yeux qui est plus qu'envoûtante. Oh, Marco, tu es d'une intelligence fascinante. Je me demande ce qui est le plus écœurant, leur verbiage amoureux ou le goût de mon chewing-gum. Je dois m'arracher à toi. Oh, ce moment fait trop cool. Alors, au bal de la Saint-Valentin, Marco, cette séparation me cause une douleur exquise.
Encore plus étrange, voilà que mon chewing-gum piste cet autre garçon. J'ai promis à ma petite sœur de l'entraîner avant la sélection pour l'épreuve de nage synchronisée. C'est tout à fait naturel. On se voit demain au bal de la Saint-Valentin. Oh là 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 là. Il a un de ses toupets, celui-là. Est en train de mener en bateau toutes les filles du lycée. Oh, Luigi, ce massage de la voûte plantaire est divin, c'est le paradis. Non, ce qui est paradisiaque, c'est le son de ta voix, mon petit tiramisu. Quel charmeur! Quel baratineur! Mon Dieu, mon amour, je t'ai apporté un modeste cadeau par mémoire de te l'offrir en gage de mon affection. Il te plaît, j'espère. Ah. J'aime assez la couleur rouge, ça ira. Glittery Snit, ce dragueur de pacotille ose se moquer de Sam et d'Alex. Il va avoir une surprise lui aussi. Alors c'est là qu'il achète sa verroterie. Allons rendre visite à son fournisseur. Soir, bal de la Saint-Valentin. Bonjour. Bienvenue chez Glittery Snit, je suis Eugène. Que puis-je faire pour vous? En fait, je voulais juste regarder vos bijoux. J'adore les accessoires de luxe. Vous avez des diamants de toute beauté. Mais que vois-je dans ce sac? Quelqu'un l'a probablement oublié ici. Vous allez au lycée de Beverly Hills? Non, pas du tout. Je fréquente l'Institut des jeunes talents. Oui, maman? As-tu vendu quelque chose à cette fille? Pas encore, non. Achetez un bijou ou alors c'est la porte! Je sors, Tu veux bien de moi comme cavalier? Je peux passer de prendre à 8 heures? Tu veux m'épouser? Laissez-moi, du vent. Bon, ça devient du délire. Faut absolument que j'arrête cette machine avant que... Bande de brutes! Mais vous allez me laisser chercher mes copines, oui? Marco va adorer ça. Le rose est la couleur préférée de Chet. Je voudrais qu'on ait une petite discussion. Pas maintenant, Clover, on doit se préparer pour le bal. Marco aime les chignons. Moi, il faut que je me fasse les ongles. Chet a une préférence très marquée pour le vernis couleur écume de mer. Mais vous êtes devenus des zombies! Réveillez-vous, il y a quelque chose de suspect derrière vos petits amis si parfaits! Tu es seulement jalouse, Clover. Toi aussi, tu aurais pu connaître le bonheur, mais tu as gâché tes chances en te mettant en grève. Tu pourrais être avec un garçon merveilleux. Mais non, ça n'a rien à voir, c'est qui... Allez, viens, Alex. Ne faisons pas attendre Marco et Chet.
Bon, à nous deux, Eugène. Toutes ces filles t'ont déclaré leur amour. Moi, ce sera la guerre. Que Marco soit aussi en retard, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Kate aussi est en retard et c'est pas son style. Elles attendent toutes leurs princes charmants et c'est moi, moi et moi seule. Tu apprécies le spectacle? Aurait-il obligeance de me dire à quoi tu joues, Eugène? C'est très simple, je savoure ma revanche. L'année dernière, l'amour de ma vie m'a brisé le cœur en me laissant tomber le jour de la Saint-Valentin. Tu es du genre rancunier. Alors, au moyen de ce gadget et de bons articles consacrés aux femmes et l'amour, je me suis transformée et je suis devenue leur homme idéal à toutes. Elles sont tombées follement amoureuses de moi et ce soir, je vais me venger en les laissant tomber pour le bal de la Saint-Valentin. Ça ne va pas se passer comme ça. Si tu n'avais pas boudé mon ordinateur, je serais le garçon de tes rêves. Mais à présent, j'incarne ton pire cauchemar. Attention! C'est terminé, mon Peter chéri ne viendra pas. Amis n'ont pas de parole, mais moi je suis sûre que mon Luigi se fait attendre pour mieux se faire désirer. C'est bizarre cette coïncidence. Pourquoi tous nos petits amis sont-ils en retard? Tu ne peux pas me résister. Toutes les filles succombent à mon charme. Je te transforme en sushi. Jeune fille, permettez-moi de vous présenter Marco. Et Chet. Et Luigi. Et Peter. Et Roy. Et Wally. Et Jason. Dont la véritable identité est... Eugène Sneed. Quand je pense que je me suis donné la peine de discuter peinture, poésie et philosophie avec un simulateur, moi j'ai fait du trampoline avec un imposteur. Et moi j'ai autorisé un tricheur à me masser la voûte plantaire. Confisquons lui ses cartes de crédit. Non, j'ai une meilleure idée. Quoi? Vous allez me jeter en prison? C'est ça votre meilleure idée? C'est pire encore. Eugène! Non! Quel affreux désastre! C'est tellement humiliant de se retrouver toute seule au bal de la Saint-Valentin! C'est surtout stupide vu que les garçons n'attendent que vous. Un peu triste, non, cette fête? Si on allait mettre de l'ambiance, vous êtes d'accord, les filles? On est vraiment désolés, Clover. On n'aurait jamais dû faire passer un garçon avant notre amitié. Dis, tu nous pardonnes? Oui, bien sûr que je vous pardonne. Croyez-moi, je sais ce que c'est que de perdre la tête pour un garçon. J'ai fait mes preuves.
tu fais? Grande nouvelle, j'ai enfin découvert ma vocation. À partir de maintenant, je ne veux plus qu'on m'appelle autrement que la fabuleuse Clover, marieuse professionnelle. J'ai plus de psychologie qu'un ordinateur. Qu'est-ce que ça va t'apporter de faire ça? Une minute, j'aperçois un client. On peut en déduire que la grève sentimentale est terminée.